and the fire brigade. Allez, bonjour tout le monde, c'est Vermont, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3 et aujourd'hui nous sommes sur Terran for Life et aujourd'hui je vous cache pourquoi, parce que je vous montrerai deux petites choses, deux nouvelles petites choses qui sont arrivées, mon téléphone qui bug, c'est génial. Deux petites choses du coup, regardez-moi, nous sommes là-dedans. Comme vous pouvez le voir, une petite Ford Mustang des familles, ça fait plaisir, voilà. Enfin, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus sortie. Du coup, je me suis dit, pour l'occasion, on va la sortir. Ça va faire plaisir, donc voilà, voilà quoi. Ça fait plaisir de sortir la petite Mustang. Et j'ai aussi changé de tenue, comme vous pouvez le voir, je suis avec un petit polo bleu, un pantalon noir et un petit bandana bleu. Voilà, avec un sac à dos qui va plus dans le bleu. Hein, je me suis dit, autant faire quelque chose de ressemblant, en fait, tu vois. Autant faire quelque chose de putain de téléphone, je sais pas pourquoi il bug, c'est pas très grave. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose, mesdames et messieurs, nous allons faire... Waouh, ouais, ok, on est sur ce type de bug. Nous allons faire quelque chose, donc. Merci, c'est gentil. J'aimerais bien écrire un message. Hop, voilà. Ça va une heure que j'essaie d'envoyer ce foutu message parce que mon téléphone bug. Enfin, ouais, c'est pas très grave. On peut ouvrir le capot, on peut ouvrir le coffre. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être quoi? Le but de la vidéo, ça va être d'aller voir un petit peu où est la mine de. Le sel. Voir ce qu'on peut faire avec la mine de sel et aussi où lui a des problèmes. Et aussi aller voir pour une Mercedes, parce que oui, vu que là j'ai 1 600 000, je me dis que je peux aller m'acheter une Mercedes. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on va s'acheter et vous me direz un petit peu ce que vous voulez voir sur la chaîne comme véhicule. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais vous donner des petites informations donc, sur à propos de la police. Voilà. Il faut savoir que donc j'ai postulé dans la police et on va rouler mollo, on va y aller mollo. Il faut savoir que j'ai postulé dans la police. Je vais me mettre en verre tapot. J'ai postulé dans la police et la police m'a dit ouais ok ta candidature est acceptée, nickel. Donc j'étais super content, sauf que les recrutements cadets, parce qu'il y en a un paquet, ils en recherchent 4, se fait mercredi, donc le jour où vous voyez cette vidéo. Sauf que évidemment je ne suis pas disponible mercredi, je l'ai bien noté dans ma candidature, mais bon je suppose que la plupart des gens sont pas forcément disponibles à cette heure là, surtout que c'est à 16h un mercredi, je pense que les gens ont des activités, ont des choses à faire, enfin il n'y a pas grand monde qui est disponible mercredi, je vois pas pourquoi il a pas fait ça le week-end où il y a beaucoup plus de monde, mais bon ça c'est pas très grave, c'est leur organisation à eux, moi j'ai juste rien à dire, il n'y a pas de police en fait, on s'en fout. C'est leur organisation à eux. Moi ce que je dis c'est que moi je trouve ça hyper dommage parce que j'aurais bien voulu intégrer la police nationale maintenant vu que j'ai été accepté et tout. Donc ça me saoule un peu, hein, clairement ça m'énerve. Mais bon, on est bien obligé de faire avec. Je suis bien obligé de faire avec, j'ai pas trop le choix. J'ai vu avec Thibaut s'il recherchait pas un pompier, vite fait en attendant. Il m'a dit que ça allait, que c'était off. Là en fait sur le serveur qu'est-ce que j'ai, bah, j'ai pas de métier. Donc le truc c'est qu'en vidéo bah, ça sert à rien. Franchement, clairement ça sert strictement à rien. Merde, c'est pas grave. Ça sert à rien de... Ah c'est les agents de sécu. Ah petite tour là, t'as rien. Ça sert à rien de faire des vidéos en civil. C'est pas mon but, ça m'importe pas grand chose. Clairement, moi mon but c'était de faire un métier qui me plaît, c'est-à-dire flic du pied. Sauf que le problème, c'est que là, à part me faire recaler, enfin pas me faire recaler, mais à part me mettre des embûches, les mecs ils mettent pas beaucoup. Donc j'ai envie de dire tant pis. J'ai envie de dire que je peux rien dire, que c'est comme ça. Là c'est ma seule raison pour s'arrêter là. J'ai envie de dire que voilà, c'est. C'est comme ça, on a.
J'ai pas le choix en fait, je peux même rien dire parce que j'ai envoyé un message à Bourne en lui demandant, ouais voilà, écoute, j'ai vu que t'as accepté tout ça, mais malheureusement je suis pas là mercredi pour le recrutement, est-ce qu'on peut pas faire ça à un autre moment? Il a dit non, écoute, tant pis, t'attendras le prochain parce que ça se fait en groupe. Je fais, ah d'accord, ok, ben écoute, ouais, mais bon, moi j'allais pouvoir l'aider, etc., j'allais pouvoir lui apporter des choses et tout. Là, clairement, moi je trouve que pour l'instant sur le serveur, la police nationale, franchement, elle n'est pas super compétente, hein, clairement. J'ai pas envie, je veux pas être méchant, hein, clairement. Mon but c'est pas d'être méchant, c'est pas de critiquer ci ou ça. Je trouve que le serveur est très très bien, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a deux défauts. Le premier défaut c'est qu'il n'y a jamais de pompiers. Ou alors c'est un pompier, mais il n'y a presque jamais de pompiers. Donc c'est super dommage. Pourtant là, attendez, là il y a zéro pompier, voilà. Donc il y a un pompier sur l'île qui est occupé en jeu, sauf qu'il s'est mis en civil, voilà. Et à un moment donné, les gars, faut être cohérent. Tu vois qu'il n'y a aucun pompier, t'es pompier, tu vas en pompier, normal. Enfin, ça me paraît logique, mais apparemment pas pour tout le monde. Et c'est vachement dommage. Deuxième problème, c'est que la police, que ce soit municipale, non, municipale, ça va. La nationale, la police nationale, je trouve qu'elle est mal gérée, parce que, enfin, c'est pas méchant. Je trouve que voilà, ils ont pas réellement les compétences qu'il faut parce que les mecs, il y a de destruction de biens publics. La police nationale, elle vient me dire, je lui dis oui, là il n'y a pas de destruction de biens publics. Le mec il roule avec les portes ouvertes, il dit mais non, on est gentil avec les gens, on est gentil, nous on les laisse faire. Ouais, on laisse passer pour cette fois. Je dis ouais, mais non, t'es policier, tu dois faire respecter la loi, tu fais respecter la loi, punt, point, c'est tout. T'as rien d'autre à dire, c'est la loi, tu casses quelque chose, tu payes, c'est tout. Tu peux faire un avertissement, mais au moins tu l'arrêtes. Là, ah, ils s'en foutaient, ils nous causaient, comme si on était comme ça. Limite, le mec il m'a bourré dedans, pas de procès. Enfin, le procès, les flics étaient là, ils passent à côté, ils s'en foutent. Enfin, il y a des choses que, voilà, il y a des choses que je C'est-à-dire comprends pas. Les mecs, ils arrivent, ils débouchent de nulle part. Il débouche de nulle part dans la cambrousse sur une route qui est quand même une route assez fréquentée parce que c'est pour aller, c'est juste à côté de l'aéroport. Il y avait un 6x6 qui passe, il était loin devant, nous on avance à du 70, et là t'as la police qui arrive juste devant nous sans phare. C'était la journée donc sans phare on s'en fout, avec les bleus, sauf que les bleus on les voit pas la journée, et sans sirène. Donc les mecs n'avaient pas mis leur sirène, donc on peut pas savoir, c'est super dangereux. Là, 2 secondes plus tard, on se rentrait dedans et on explosait. Donc franchement, Bourne, je suppose que tu regardes pas les vidéos parce que voilà, tu regardes pas les vidéos. Je pense pas que tu regardes les vidéos. Je sais qu'il y a Thibaut qui regarde. Voilà, moi je trouve que la police, il devrait réavoir pas une refonte, mais il faudrait leur réexpliquer un petit peu ce que c'est les bases. Parce qu'il y a certaines choses qui comprennent pas. En national, en municipal, Bonjour, comme monsieur. je sais pas. Mais voilà. Bonjour. Bon, du coup, je sais pas du tout qui c'est qui m'a parlé. Voilà. Pour les véhicules, voilà, parce qu'on était quand même venu pour faire ça. Je vais juste regarder. Bonjour, bonjour. Juste regarder. Ouais, j'ai bien fermé mon véhicule. Ok, ça va. Donc je disais, 6 temps, non, 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 c'est pas ça que je veux. Un 6 temps, on va faire comme un super. Non, c'est pas ça que je veux. Pas de voix, Un je vais sprinter? appeler à quelqu'un. Non, non. Ah bon, monsieur? Qui était policier avant. C'est possible. Où ça? J'étais dans une ville. LS a fermé ses frontières. Et c'était quoi la ville? A fermé et puis qui a est réouverte pour s'agrandir. Et la ville s'appelait Londinium. C'est possible. Oui, en effet, en effet, en effet. Tac, en effet. Du coup, Mercedes-Benz Sprinter. Je sais pas si vous voulez, Mercedes-Benz Sprinter radio, je sais pas trop quoi, C'est sûr qu'elle est 65 000. mieux que votre multiple là. De quoi les Mercedes? Non, votre Mustang.
Ah, la Mustang. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, une Et Vitan. Une quand Vitan. même assez sympa le en vert. En 20... ouais, bah, il est joli, il est joli. Oh, on critique pas mon multiplat. On critique pas mon Je l'ai multiplat. pris en rouge. Ah ouais, vous avez... Et vous avez une BMW aussi, mais vous avez pas de casque. C'est dangereux Ah ça. si, il est mis dans le coffre. Ah, je pensais que vous aviez pas de casque. D'accord, ok. Autant pour moi, alors, autant pour moi. Vous allez acheter quoi? Bah, je pense que je vais me prendre le CLS, pas Ouais. le G65. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Enfin, moi, je suis en train de réfléchir là. Moi, Pas je ne mal sais pas. aussi. Je ne sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Du coup, Vito. Je sais pas si vous voulez une Vito. Mercedes-Benz ML. Voilà. La ML, c'est ça? D'accord. Au revoir, monsieur. La ML, qui est plutôt jolie. C'est un petit 4x4 des familles, 125 000. 32 coffres, 4 passagers. 240 km, ça peut aller. La A45, on arrive dans les belles voitures. On arrive dans les voitures où vous allez devoir choisir. Celle-là, j'ai pas forcément vraiment envie de la voir. La classe E non plus, parce que je trouve qu'elle fait un peu vieux. Par contre, celle-là, 32 coffres, 299, 300 km par heure. 4 passagers, blindage de 120. Ça passe clairement. Une autre CLS que j'aime moins. J'aime moins, je l'aime moins. Ou alors on arrive sur du C, sur du 300 000. En fait, c'est soit celle-là à 400 000, soit celle-là. Ou celle-là. Une DC63. Donc vous choisissez, les gars. Donc on la prendra dans le prochain épisode. Donc soit vous décidez qu'on prenne une AMG. Donc on prenne une BLS 63 à 400 000. Soit vous voulez qu'on prenne une C63. Soit comme ça, je vais juste la mettre en une couleur pour qu'on voit bien les petits trucs. Soit comme ça, soit comme ça. Donc avec l'aileron, on a du 280 km/h, 35 de coffre, donc c'est plus que la CLS. C'est plus que la CLS, donc c'est pas mal. Ou celle-là, mais qui... Ouais, j'aime pas trop celle-là, elle est trop petite. Ou celle-là, mais celle-là, non. Donc c'est soit une C63, soit une C63, vous me dites si vous préférez aileron ou sans aileron. Ou alors une CLS 63. Voilà, vous choisissez, vous me dites 400 000, 300, ou 300 000, 30 ou 35 de coffre. Celle-là va juste plus vite. Oui. Vous allez prendre quoi, monsieur, ici? Le Mercedes E65 en Le rouge. C65. Hein. Non, le G. Ah, le G65. Parce que... Ah oui, ok, le 4x4. Ok. C'est bon. Ouais, plutôt Ça peut sympa. être là. J'en ai Ouais, un. ça. Ouais, vous l'avez acheté là? Ouais, plutôt joli, plutôt joli. En effet, en effet. Plutôt sympathique. Je peux monter à côté? Oui, Et le si vous voir. voulez. Juste pour voir un petit peu l'intérieur. Ouais, caméra et tout. Sympa. Ouais, ça va, c'est sympa. C'est Ça en sympa. même temps que je l'ai pris. Une bonne journée. Merci à vous aussi, monsieur. Au Au revoir. revoir. Hop, ça c'est fait. Bon, du coup, ça c'est fait. Et il fait un sale bruit, hein. Ah, c'est joli. On va se la frimer. Bon, il passe l'autre coco. Ah, il a des petits soucis. Hein. Ah ouais, non, il est cool quand même.
Ah, mais il roule comme un malade. Il roule comme un malade. Ce qu'on peut faire, c'est... voilà, donc vous choisissez. Vous me dites dans les commentaires. Vous me dites un petit peu comment ça se passe dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on va essayer d'aller voir, donc, pour... le sel, il faudrait que je trouve le traitement. Le traitement de sel, il est là-bas. On va remonter aller voir au traitement de sel parce que c'est pour la licence en fait, pour voir un petit peu combien coûte la licence. Ça peut être intéressant. Donc, let's go. Nous sommes partis. On va aller voir ça. Il y a toujours aucun policier et aucun pompier. Ah, je me suis dit peut-être qu'ils vont arriver, mais non, pas du tout. Et le mec a disparu. Soit le mec est très très fort. Roule comme tard. Ah, les gens et tout, ça c'est cool, on a croisé du peuple. Voilà, parlons un petit peu de Tirna. Voilà, je sais que c'est pas... Oh putain. Elle est partie en couille, la voiture là. Elle est partie en couille. Bon, elle devrait pas sauter. Savoir où sont mes boîtes à outils. Non mais j'en ai acheté en fait. J'explique l'histoire. J'ai acheté des fucking boîtes à outils. Est-ce qu'il y a un dépanneur? Allô les dépanneurs? Allô, je suis en détresse. Oh putain. Oh la merde. Ah, je peux voir s'il y a pas. Ah oui, je peux voir s'il est pas là. Allô, les agents de sécurité? Putain. Je suis trop con. Allô, les dépanneurs? Ouais, non, en fait, je pensais, mais. En fait, j'avais mute mon truc, mais les dépanneurs sont quand même pas là. Y aurait-il des dépanneurs de disponibles? Est-ce que je crois non? D'accord. Allô? Y aurait-il des agents de sécurité disponibles? Oui. Ah, salut. Où est-ce que tu es? Constance Ford. Ah. En fait, moi je t'explique, je suis près d'Iveco, là je suis entre Iveco et Oudan, et j'ai cassé, j'ai pas de repair kit, et il n'y a pas de dépanneur qui me répond. Je vais me grouiller, j'arrive. Merci, si tu veux, je peux bien avancer vers Oudan. Ouais, ça m'arrangera, on va dire, mais. Ok, je vais essayer de rejoindre Oudan. On va aller jusque Oudan les gars. On va aller jusque Oudan parce qu'on est. On est motivé. Non franchement ça va être cool hein. Voilà. Bon je parlais de Tirna. Bon, vous avez eu le premier épisode sur Tirna qui est apparu mardi. Et j'ai vu que ben, pour l'instant ça vous plaît. Voilà, on a fait la découverte du serveur. Ça vous a plu. Donc c'est sympa, on va quand même du 60 à du 80 à l'heure. On va attendre là. Ouais, je suis à Oudan là. Et je vois là, c'était pas lui. Hein. Tu m'as reçu?
ouais, j'arrive. Je fais du plus vite que je peux. Sans péter. Ok. Du coup, oui, Tirna, donc, petit serveur sympa, un petit serveur des familles qui vous a fait plaisir. J'ai été accepté en tant que gendarme. Voilà, comme ça vous allez avoir du gameplay gendarme sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Il y a 80 ressources et tout, donc c'est un truc de malade. Le serveur est vachement cool, il y a du monde. Hier j'ai joué 1h30, il y avait 36-40 personnes de connectées. C'était plutôt pas mal. Apparemment, le week-end, il monte jusqu'à entre 50 et 100 joueurs. Ce qui est plutôt cool. Il y a du monde. Autant vous dire qu'il y a du monde. Donc voilà, c'est vrai qu'en gendarme, normalement, je devrais faire mon entretien vendredi oral, enfin sur TS, et puis le week-end, donc samedi ou dimanche, in-game. Comme ça, ben, je pourrais vous faire des vidéos en tant que gendarme. Ce sera chouette. Et ici, ben, écoutez, ici, voilà, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de métier. Donc c'est un peu la tristesse. Soit je dis au DP que je reviens chez les DP et je reprends des panneurs. Soit je dis, bah, écoutez, en fait non. En fait, je vais attendre et je reste en civil. Surtout qu'il y a encore un serveur que j'ai vu qui a l'air sympa. Enfin, il y a plein de serveurs qui ont l'air sympa. Mais le truc, c'est que voilà. Il y a... Moi, j'aime bien Terran parce que je connais le fondateur, je connais bien les membres du staff, un certain membre du staff, je connais les joueurs, donc Terran, je vais y rester. Je vais pas partir de Terran, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est... Attendez. Voilà. Terran, je vais y rester parce que c'est un serveur super, les membres sont vraiment chouettes. C'est vrai que staff, parfois, ils peuvent apparemment... Ça fait longtemps que j'ai plus de problèmes, hein, mais à ce qui paraît, ils sont pas super super réactifs. Après, il faut pas non plus dire oui, ils sont lents. Non, 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 non. C'est très compliqué de faire un serveur. Très compliqué. Il faut savoir que moi, je n'y pensais pas, mais maintenant que j'ai eu le mien, franchement, c'est super chaud. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est. Ils sont bien, les membres du staff sont cool. Voilà, il y en a. On va pas citer de nom, mais voilà, vous savez, il y en a qui sont. Ils sont peut-être un petit peu moins chaleureux que d'autres. Voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et c'est comme ça. On n'a pas trop le choix, mais ils sont cool et il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas sur le serveur, hein, franchement. Y a les concessionnaires, ils sont cool. Il y a un paquet de véhicules. Il y a beaucoup d'entreprises, donc ça, c'est sympa aussi. Après, est-ce que je dis... Voilà, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je sais que des panneurs, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas souvent. Mais c'est toujours le même gameplay, tandis que la police et les pompiers, c'est jamais la même chose en fait. Et c'est ça, pour ça que je voulais aller en police, parce que c'est jamais pareil. Il y a toujours quelque chose de différent, il y a toujours des nouveautés à faire, etc. etc. Bon voilà, après, on va voir. On va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'ils vont me dire. Voilà, est-ce que c'est que dispo. Voilà, on va voir, on va un petit peu regarder ce que c'est. N'oubliez pas, sondage, les amis, n'oubliez pas de voter dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez comme voiture? Ouais, t'es où? Je suis passé à l'Arche, je suis passé à la Trinité, puis j'arrive. Ah ouais, ok, toi t'as fait un sale détour. Parce qu'en fait, j'ai utilisé mon dernier reparking, donc je passe à la Trinité, je suis à 5. Putain. Ouf. T'inquiète. Waouh. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ah, mais il y avait un collègue à moi qui arrivait. Hein. Pas de problème, c'est pas grave. Ah, vous voulez que je vous paye quelque chose, monsieur? Non, 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 je suis assez très, très, vraiment, vraiment, vraiment riche. J'ai pas besoin de garder votre argent. Ah, d'accord. Pas. D'accord. J'ai vraiment les moyens, quoi. D'accord. Ok, c'est votre collègue, là? Non, c'est celui que j'ai payé sa Ferrari. Vous lui avez payé une Ferrari? Oui, j'ai assez potes et tout, j'ai payé des Ferrari. Ah, d'accord. Si en ville, vous voyez des voitures comme ça, c'est que c'est ça vient de moi. Okay. Ah oui. Bon, attendez, je vous donne un pourboire, monsieur.
Pour vous débrouiller. Pour me débrouiller. Ça vient d'un ami aussi. Attendez, j'aime bien votre bonnet. Ah bah merci. Ouais, il est joli. Ah bah merci monsieur. Ah attendez, c'est pas ça que je voulais vous donner en fait. Ah. Je me suis un peu, on va dire, couru. Petit camion des familles. Voilà. Il est joli ce camion. Ah, merci. Allez. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Le mec vient de me donner 1 million. Pardon, ouais. Ouais, ouais, bon, on va pouvoir s'acheter une Mercedes. Ouais, tu peux venir, il y a quelqu'un qui m'a réparé, mais c'est pas grave, tu peux quand même venir, on va parler vite fait. T'es où là? Je suis à Dourdan. Non, je suis à Oudan, moi. Oh, t'es dans la deuxième, traitement de salle. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il y a un ATM? Okay. Parce que je me transporte quand même avec 1 300 000 sur moi. Ah, bah il y a un ATM juste là, mais c'est fabuleux. Fabuleux, il y a un ATM juste là. On va juste. Quand même. Merde, j'ai mis un 9 de trop. Voilà. Ouais, voilà. Non, bonjour, mais en fait, je t'explique. Ouais. En fait, il y a quelqu'un, il vient d'arriver. Il s'est arrêté avec son R8. Il s'est arrêté. Il a réparé mon véhicule et il m'a filé 1 million. Voilà. Comme ça, tu sais. Tu t'expliques comment ? Je sais plus, c'est Kylian. Je sais, il donne à tout le monde, apparemment. Ouais, moi, il m'a donné 2 millions. Ouais, apparemment, il a beaucoup d'argent. Donc voilà, ça fait plaisir. Ouais, mais en fait, moi, il était à Pessan, il a fait un accident, donc je viens le voir, donc j'ai une demande de sa carte d'identité avant, tu vois. Donc je sais comment il s'appelle, et puis il me fait, bah si vous arrivez à mon pas, je pourrais vous donner de l'argent. Donc je fais, bah je vais regarder ça, donc je répare. Puis là, pendant que je répare, 1 million. Donc, je fais, ah ouais, quand même, je vais vous réparer plus souvent. Hein. Et puis après on a parlé, donc je fais bah comment ça se fait, donc il m'a expliqué pourquoi il avait cet argent là et qu'il allait, en fait il est là, il s'amuse à acheter tous les véhicules de tous les concesses. Mmh. Et comment ça se fait qu'il a autant d'argent lui? Bah il a fait donc il m'a dit qu'il faisait, en fait il faisait du pétrole quand l'entreprise était ouverte, enfin genre le soir à 23h quand il y avait personne mais que l'entreprise était ouverte, comme ça bah prêté, puis wow. Après d'accord, la thune. Ok. Après, il m'a dit qu'il était, c'est un vieux joueur, enfin un vieux sur de Lille. Ouais, ça je me doute. Du coup, moi, il m'a donné 2 millions parce que du coup, il me donne 1 million, puis après on parle, puis à la fin, il me redonne 1 million, puis il me fait allez, c'est parce que vous étiez sympa. Puis du coup, il est parti. Moi, le mec, il s'est arrêté, il était au milieu de la route, mais genre, même position que toi, sauf qu'il était 5 mètres là, il était là. Ouais. Avec son R8 mauve, là, en mode à me barre les couilles de la vie, frère. Ah non, mais c'est tout ça. Bon, tu me suis, je vais vite au traitement de sable, de sel. Ouais. Ouais, donc bonjour au traitement de sel. Pourquoi tu farmes en fond de... Mais en fait, j'ai pas été farmé, en fait, je t'explique, j'ai été voir pour un Mercedes, et du coup, voilà. Ah, ok. Ouais, non, t'inquiète. Et crois pas que je vais farmer avec ma Mustang. Si je dis pas de conneries. J'aurais pu me prendre un tournant en aide mon cœur. Oh, le bruit de cette Mustang est magnifique. Fabuleux. C'est pas moi. Non, mais c'est pas moi. Je ne suis en aucun cas responsable de ce mur cassé. Ah ouais, c'est 80 000. Ah ouais. Ouais, ok. Après, tu peux traiter sans la licence. Ouais, c'est possible. Ah ouais, ok, 80 000. Non, mais ça va, ben je vais faire du sel une fois, là. Une fouille. Attends, moi, j'ai fait des bêtises. Quoi? Ah, tu sais réparer ça, toi? Eh ouais. Ah ouais, ok. Décalé. Hein. Ouais, non, je pensais que... Ouais. Ok.
Ouais, non, je veux pas très pas tant Ok. bien, mais regarde. Ouais, non, je Arrière. pensais. Ouais, non, ça va, Et mais très bien. nickel, en plus ça passe, c'est la bonne longueur. Enfin, un long relais, donc un Magnifique, petit shoot. magnifique. Non, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. On va mettre un petit plot là. Un petit peu. Bon, pour nous, YouTube, on va s'arrêter là. Voilà, ça fait 30 minutes. On a été voir le sel. Prochain épisode, peut-être qu'on se fera du sel. Peut-être pas. Peut-être que j'aurai un métier. Peut-être pas. Beau. C'est. Wow, magnifique, magnifique. Live la semaine prochaine. Samedi. Hein, donc, sur. Live samedi soir. Hein, sur le serveur. Ou, enfin, en Et tout cas, sur ah, il faut MA3, à pas mon bien avis, se sur le mettre là. serveur. Donc, voilà. Moi, je vous dis, aimez, commentez, partagez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Borom. À plus seulement.